quatrième fille. Le roi et la reine ne sont pas contents. Et toc ! Et comble de malheur, quand ses cheveux poussent, ils sont bleus. Mystère, c'est son nom, grandit comme une sauvageonne. Mais à l'âge de 8 ans, elle est si belle qu'elle fait de l'ombre à ses sœurs. Mais moi, je m'en moquais parce qu'avec mes vêtements déchirés, je pouvais grimper aux arbres sans me faire gronder. C'est une souillon sans importance. Ses parents décident de la perdre dans la forêt des loups, des ogres et des sorcières. Mais qu'est-ce que cela ? Qui êtes-vous, petite fille aux cheveux bleus ? Je suis Mystère et... je suis vénéneuse. Cachez-vous, malheureuse ! J'ai trop mangé ce matin. Je suis le plus malheureux des ogres. C'est bien fait pour vous. Vous mangez trop de viande. Passe le balai. Chasse les araignées. Nourris les chauves-souris. Cueille une étoile. Un conte malicieux et drôle qui joue avec les personnages et règles du genre, permettant d'aborder des thèmes bien plus graves qu'il n'y paraît.